Oh là là, comment c'est stylé! Dans cette vidéo, on va aller récupérer la Moonlight Greatsword qu'il y a dans tous les jeux de From Software. Et ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait la Moonlight Greatsword dans Armored Core 6. Alors, il n'y a pas dans Sekiro, je crois, mais c'est tout. C'est tout, donc on va aller la chercher. Il va falloir lancer la mission de fin de chapitre 4, atteindre le point de convergence du corail. Et viens, suis-moi, like la vidéo, on va aller chercher ça ensemble. Ok, au début de mission, on va falloir tuer deux AC. On va falloir un petit peu avancer dans la mission quand même. Donc, on va tuer deux AC d'abord. Il va falloir arriver jusqu'au pont. On va d'abord s'occuper des deux AC là. Ça c'est fait. Avec mon build. Mon build shotgun, j'encule. Mais tout le monde dans ce jeu, c'est un délire. On va tuer les petits gars là. Là, toi. Il y en a un dernier? Non, c'est bon. Keep moving, on va aller rejoindre le pont qui est où? Là-bas. C'est le plus bel endroit hein, du jeu, hein, très clairement. C'est magnifique cet endroit. Magnifique, on voit la grandeur des AC là qui font vraiment 35 mètres. Trop stylé. Bon, on n'est pas là pour ça. On a un ennemi un peu spécial ici. Il y en a un là, voilà. Où est-ce qu'il est là? Là, là. Oh, c'est bon, il est déjà mort? Ah non. Ah, il est mort. Nickel. Quand on arrive au bout du pont, on va sauter en bas. C'est là-bas au fond là. Donc on va tuer. Oula, 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 et ça me rappelle les ennemis dans Dark Souls 1 et 3 et même 2, non? Oh, je vais mourir là. Et en gros, la Moonlight elle est dans ce... Je peux récupérer, me barrer ou pas? Oui, c'est bon, je l'ai. Me casse. Ah. Ils sont horribles ces ennemis. Ils tirent, ils roulent, ils chargent. Et voilà, il faut finir la mission hein, pour récupérer le coffre, les gars. Tu peux pas te quitter comme ça. Donc, voilà, la Moonlight Greatsword, on va aller voir ce que ça donne. Je vais aller la tester en arène. Lama onde lumineuse Moonlight. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air stylé, hein. On va aller juste vite fait aller voir en... Je vais essayer le AC. On va essayer ça tout de suite. De ce que j'ai vu, ça a l'air dingue. Ça a l'air dingo. Ça a l'air dingus. Ça donne ça. Waouh, la couleur parfaite. Je vais voir, attends. Ça se recharge plutôt vite, ça va. Ça va loin, hein. Ça va super loin, hein. Attends, parce que là, j'ai juste appuyé deux fois. On va maintenir. Oh la dinguerie. Oh là là, faut que j'essaie ça. On va mettre des ennemis. Attendez, j'attends que ça se recharge. Oh là là, comment c'est stylé! Attends. Juste un petit coup comme ça. Oh, c'est trop fort. Ça met combien un peu là? Juste un coup, je vais voir. Attends, ils sont trop faibles. Assez d'entraînement. Ça met du 1700, hein. Pas mal, hein. On va voir juste les deux là, les deux coups. On les a esquivés. La terre. Bon, attends. On va le stun et je vais balancer. Bon, ouais. Petit con! Attends, faut que je le stun. Est-ce que je vais réussir à le stun? Non. Avec ça, ça pas mal, c'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal hein. Bon allez ta gueule, vous avez vu ce que ça donne, franchement c'est sympa, allez la récupérer, c'est sur votre chemin. Et je crois qu'il y a une autre épée à récupérer comme ça qui fait des dégâts de corail en rouge, qui est la même, hein, la même arme. Donc on ira récupérer ça plus tard en New Game Plus. Je vous dis à très bientôt, salut mec, ciao.